Qu'est-ce que la gestion électronique de documents? La gestion électronique de documents, c'est une façon de centraliser tous les documents de façon à y accéder plus facilement, plus rapidement, de façon plus homogène. On s'affranchit de noms de documents, on s'affranchit d'une arborescence rigide que l'on connaît avec Windows par exemple, dossier, sous-dossier, sous-dossier. Chacun va pouvoir retrouver des documents avec des mots-clés, avec une fluidité, une flexibilité dans la recherche. Par exemple, je vais retrouver toutes mes factures supérieures à 1000 euros en litige qui datent de 2019. Voilà, c'est ce genre de recherche-là qui va permettre, par exemple, à des nouveaux arrivants de retrouver des documents immédiatement sans avoir de formation ou être resté dans l'entreprise pendant longtemps avant de retrouver ces petits dans une organisation documentaire. Voilà, c'est gagner en efficacité dans le quotidien des collaborateurs. La gestion électronique de documents, ça peut aller aussi un petit peu plus loin. On va automatiser des processus pour des cas un petit peu plus spécifiques. Automatiser des processus, ça peut être quelque chose de très simple. Par exemple, la gestion des échéances. La gestion des échéances, c'est simplement mettre une date de rappel, par exemple à J plus 3 mois, 3 ans, 5 ans. Donc un processus, c'est simplement quelque chose d'automatisé que l'on va mettre en place avec Zerfor. Ça peut être n'importe quel sujet. Un processus de contrat fournisseur, comme on a évoqué, de réclamation client, de gestion des courriers, de gestion de la commande, du bon de livraison, de validation de la facture, de procédure qualité, d'intégration de nouveaux entrants. Il y a énormément de sujets que l'on peut aborder avec la gestion électronique de documents.